et ça chauffe un max pour nos fesses. Arrêtons de naviguer au pif, car la réponse est juste là. C'est le courant alternatif, ça s'appelle l'alternativa. On avance, la transition arrive. On sait que c'est ça la solution à cette crise. On est nombreux à taffer dur pour les alternatives. De Bayonne à Paris, on se mobilise. La menace des catastrophes, plein l'époque est difficile. Temps de crise, on est accro aux énergies fossiles. Écrasé par les marchandises, pas tiens, maman pousse des cris. L'espoir brisé comme en Arctique, la banquise. Mirage du progrès, on a perdu le cap. Les inégalités s'aggravent alors qu'on taffe comme des malades. Le climat se dégrade, les dégâts sont palpables. Et pourtant les citoyens baissent les bras. La course au profit égale carnage, ravage. Les pauvres paient la facture et les riches se gavent. On rase le paysage pour un centre commercial. T'as beau chanter la croissance, elle est insoutenable. Gaz de schiste, agrocarburant et nucléaire. Gardez ces fausses solutions, il faut tourner la page. Face aux multinationales qui veulent nous prendre pour otage. Je crie power to the people, construisant d'en bas. On avance, la transition arrive. On sait que c'est ça la solution à cette crise. On est nombreux à taffer dur pour les alternatives. De Bayonne à Paris, la transition arrive. On sait que c'est ça la solution à cette crise. On est nombreux à taffer dur pour les alternatives. De Bayonne à Paris, on se mobilise. Le cœur au bon endroit, on n'a pas peur de se mouiller. Il est l'heure de passer aux actes, attaquer les problèmes à la racine. Changement radical, assez de blabla, ça change quand il y a des résultats. On veut pas rester à l'écart, on veut rassembler l'âge. Viens, mets ta part, le cœur à l'ouvrage pour un mouvement global avec un ancrage local. Climat, justice, élevons nos voix. Décisif, notre impact prépare la montée en charge pour la COP21 et bien au-delà. Éviter que des milliers de personnes se noient. Pensez à nos mots et nous en serons grâce. Avec un tour de l'Europe sur des vélos multipasses, on galvanise sur presque 200 étapes. Alternativa, militer dans la joie. Allons changer le système et pas le climat. On avance, la transition arrive. On sait que c'est ça la solution à cette crise. On est nombreux à taffer dur pour les alternatives. De Bayonne à Paris, on se mobilise. On avance, la transition arrive. On sait que c'est ça la solution à cette crise. On est nombreux à taffer dur pour les alternatives. De Bayonne à Paris, on se mobilise. De Bayonne, on est parti il y a pratiquement 3 mois aujourd'hui et on en est à plus de 4500 km. Et je vais essayer de résumer en quelques mots, un peu comme on le fait à chaque arrivée d'étape, le sens de ce périple par un texte qu'on lit, qui a été lu dès le départ par Madame Essel et qu'on lit donc à chaque ville qu'on traverse, la transition est en route. Quel regard porteront les gens vivant en 2040 sur notre génération? Et dans quel monde vivront-ils? Les réponses à ces deux questions sont intimement liées, car elles dépendent de ce que nous allons faire ou ne pas faire dans les quelques années qui viennent. Le modèle de développement qui s'est imposé depuis la révolution industrielle a commencé à perturber en profondeur le climat de la Terre. Si nous n'agissons pas rapidement et massivement
Ce phénomène va s'aggraver et s'accélérer. Il risque de devenir incontrôlable et irréversible. Montée des océans, multiplication des catastrophes climatiques et de leur violence, pénurie d'eau potable et chute de la production alimentaire, migration massive de populations, disparition de milliers d'espèces animales et végétales, le monde tel que nous le connaissons depuis 10 000 ans peut changer profondément dans les prochaines décennies. Comment les générations vivant en 2040 nous jugeront-elles? Quand, alors que les climatologues nous expliquaient qu'il y avait urgence à réduire massivement nos émissions de gaz à effet de serre, nous avons continué à subventionner les énergies fossiles, leur extraction, leur distribution, l'exploration pour en trouver de nouvelles. Nous avons continué à industrialiser encore plus l'agriculture, avec par exemple des projets déments comme la ferme des 1000 vaches, ces fermes-usines. Nous avons continué à relocaliser, déréguler toujours plus le commerce, les échanges, avec ce qui est en train de se préparer, le TAFTA, le CETA, ces pactes transatlantiques. Et nous avons voulu construire de nouveaux et plus grands aéroports comme celui de Notre-Dame-des-Landes. La bataille qui se joue aujourd'hui pour contenir le dérèglement climatique est décisive pour les conditions de vie à venir. Elle n'est ni gagnée ni perdue. Son sort est dans les mains de notre génération. Son sort se joue en ce moment même. Les chefs d'État du monde entier se réuniront à Paris pour la COP21, le 21e sommet mondial de l'ONU sur le climat, du 30 novembre au 11 décembre 2015, pour tenter d'établir un accord international qui s'appliquerait à partir de 2020. Après 20 ans d'échec de ces négociations internationales, alors que les intentions actuellement affichées par nos États sont loin d'être à la hauteur des enjeux, et parce que les climatologues disent qu'on ne peut pas se permettre d'attendre 2020 pour commencer à agir, la mobilisation citoyenne va revêtir une importance stratégique lors des mois et des années à venir. Nous sommes condamnés à faire aujourd'hui des paris fous, car ce sont les seuls que les générations vivant en 2040 jugeront sensés. Le 6 octobre 2013, à Bayonne, nous lancions un appel à multiplier les alternativas, village des alternatives au changement climatique, partout en France et en Europe. Un an et demi plus tard, plus de 100 alternativas s'organisent de tous les côtés de l'Hexagone, dont un ici pour la deuxième fois à Nantes, le 19 et le 20 septembre. Et la réussite de ce qui pouvait paraître hors de notre portée nous donne confiance quant à notre capacité à gagner d'autres paris encore plus ambitieux. De plus, une large coalition, la coalition Climat 21, réunissant ONG de défense de l'environnement et de solidarité internationale, mouvements sociaux, syndicats, organisations religieuses, prépare dès aujourd'hui des mobilisations historiques lors de la COP21. La dynamique citoyenne commence à être à la hauteur de l'enjeu. Ce tour alternativa fait partie de ces paris ambitieux. Pendant 4 mois, nous traversons 187 territoires différents pour promouvoir les alternatives permettant de relever le défi climatique tout en construisant une société plus humaine, plus juste, plus solidaire, plus durable. Tout ce que raconte un petit livre spécialement édité pour ce périple, son titre résume toute notre proposition d'aujourd'hui, Alternativez-vous, alternativons-nous. Nous sommes des milliers à déjà pratiquer les alternatives au changement climatique. Alimentation paysanne, locale et durable. Compte courant dans une banque transparente et écologiquement responsable comme la NEF. Économie dans un système d'épargne solidaire comme Terre de Liens ou Énergie Partagée, transport quotidien en vélo ou en transport collectif, emprunter, louer ou acheter d'occasion plutôt que d'acheter du neuf, s'abonner à un fournisseur d'électricité 100% renouvelable comme Enercop et tant d'autres nouvelles possibilités. Soyons des centaines de milliers à nous emparer de ces alternatives et elles commenceront à changer non seulement nos propres vies, mais nos territoires, nos villes et villages, bref, la société tout entière. Ce tour alternativa se terminera à Paris, les 26 et 27 septembre, par une mobilisation massive, partagée par plus de 50 000 citoyens
Donc tous les gens d'Alternative à Nantes qui viendront fêter une semaine après l'énorme succès qu'aura été le village des Alternatives de Nantes. Nous délivrerons ainsi toutes et tous ensemble le message suivant au chef d'État devant se retrouver 2 mois plus tard dans cette même ville à l'occasion de la COP21. Hey, vous, la transition est en route. Nous, citoyens de tous les territoires, l'avons enclenchée. Alors vous, qu'attendez-vous pour faire de même ? Quelque soit notre genre ou notre espèce, on est en train de cuire tout vif et ça chauffe un max pour nos fesses. Arrêtons de naviguer au pif, car la réponse est juste là. C'est le courant alternatif, ça s'appelle l'Alternativa. Chica, chica, cha. Hey, 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 hey. Hey, hey. Chica, chica, cha.